Salut, aujourd'hui on unbox ça, ça vient tout droit de Californie, en Amérique. J'ai changé bien sûr d'angle de caméra bien sûr, voilà, je vais vous présenter un peu ça et puis on va voir, on va parler vite fait. Bon alors il s'agit bien évidemment de Foxbox, donc vous devez connaître. Alors comme ça vous allez vite faire reconnaître, donc vous dites Foxbox, hop, des animés, ça, cette taille là, qu'est-ce que ça peut être? Et ben en fait c'est simple, donc vous savez que j'ai une tablette graphique pour jouer au sous, hein, d'ailleurs pour la débrancher. Hop. Donc voilà, on peut voir un petit peu qu'elle est bien usée à certains endroits, surtout au milieu là. Donc ça c'est tout ce qui est slider. Donc c'est clairement quelque chose qui va nous permettre, c'est un stickers en gros, c'est vraiment un stickers. Donc on va un petit peu ouvrir tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? D'abord on a ça, c'est un stickers que je trouve vachement cool, je sais pas, je ne l'ai pas. Ensuite on a l'optique plus, donc c'est sûrement pour nettoyer j'imagine, je pourrais regarder. Voilà, peut-être pour ça. Donc là, on a une petite carte qui nous remercie d'avoir commandé, avec un petit truc derrière. On a la facture que vous ne verrez pas, bien entendu. Et, ah bah là, mince, je voulais vous le cacher, mais bon, tant pis. On peut le personnaliser, et j'ai pris une image de Zero Two dans Innofranks. On peut voir comme ça, là, vite fait, tous les grains. C'est souvent un papier, un sticker, ça grain, et je trouve ça assez cool. Donc ça c'est rigide, écoutez. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rigide pour pouvoir y aller quoi. Et là on peut voir vite fait des traits, c'est les traits qui sont prédécoupés par rapport au bouton. Du coup bah je vais laver tout ça, je vais mettre la caméra quelque part hein, et puis on va faire tout ça, voilà. Là, je vais aller sur internet aussi comment on fait parce que je suis un peu naze. Ouais bah voilà comment alors j'ai pas regardé vidéo en fin de compte hein, j'ai essayé, j'ai pas trouvé que des trucs pour installer des skins, ça je sais très bien hein, comment on fait. Donc voilà, donc ça ressemble à ça, c'est pas mal hein, franchement. Alors après j'aurais peut-être dû regarder pour éviter de mettre des bulles, mais je regarde vite fait grâce à la lumière, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bulles. Donc franchement c'est ultra simple à mettre, je suis vraiment très content, le rendu est vraiment excellent, je suis vraiment très très content. Encore là, j'ai un petit peu merdé, hein, ça se voit pas, mais ici ça sort un petit peu plus que la tablette, mais c'est pas grave. Ça glisse quand même vachement mieux. Après, il y a toujours la pression, et que la pression se fait au stylet. Mais franchement, c'est une tuerie, donc très content, très très content. Puis en vrai, mis à part l'attente de la création, parce qu'il faut quand même que ça s'imprime et tout, et ben ça a été assez rapide, parce qu'en une semaine, je l'ai eu. Elle est vraiment ultra classe. Rentrer très comment après, peut-être l'image n'est pas à votre goût, vous pouvez changer l'image, bien sûr. Il n'y a rien de problématique. Ils font plein de trucs, ils en font pas que pour le modèle là. Hein. C'est une 4000, c'est écrit derrière, c'est une 4100LW. Et bah franchement, hop, première game, franchement ultra propre. Alors ça glisse vachement, je vais devoir m'abuser un petit peu. Mais franchement, c'est vraiment vraiment super bon. Je vais quand même faire une deuxième pour être sûr. Une deuxième que je connais hein, quand même. C'est si je pourrais parler en même temps, je pense. Alors ça glisse vraiment super bien, je vais voir que je me... Alors là pour les rotations c'est vraiment cool. Mais après il faut quand même que je me rentraîne un petit peu. Ça fait longtemps que je vais pas jouer. Je pense que ça va être vachement cool pour les longues sessions. Puis aussi pour styliser, attendez, c'est quand même ultra classe. Bon là je parle en même temps, je suis vraiment pas concentré.
Alors j'ai juste de penser à un truc, mais niveau de ça, là, du coup, peut-être que vous pouvez mettre bah vous suivez sûrement, vu que c'est une image que vous envoyez sur le site, vous pouvez peut-être mettre quelque chose de précis, genre marquer vraiment le centre, les endroits qui font les côtés de l'écran, je sais pas, mais après ça c'est vraiment quelque chose de technique, je pense pas que vous allez faire ça, moi j'ai vraiment pris ça pour le style, c'est vraiment ultra cool. Là, un petit trou qui laisse passer la lumière, moi je note, c'est toujours un point en plus. Le sticker c'est ultra bien, il va vraiment super bien dessus, à installer c'est vraiment ultra simple, ultra rapide, ultra facile, et puis bah moi je vais vous dire... Je vous dirai de vous abonner si vous voulez bien, de vous liker et de me dire ce que vous voulez en commentaire. Allez, salut!